Bonjour élève harmoniciste, c'est la vidéo du samedi midi, la bien nommée puisque nous sommes samedi midi. Hier c'était la fête de la Zikmu, la teuf de la Zikmu, bon d'accord, la fête de la musique. Et je voulais te jouer un petit morceau sympa pour célébrer la fête de la musique. Alors je me suis dit, alors qu'est-ce que je pourrais trouver comme symbole le 21 juin? Mais bien sûr, Matt Dennis nous a quittés le 21 juin 2002. Matt Dennis était un chanteur, un pianiste et surtout un excellent compositeur. Il a écrit un morceau que j'aime beaucoup, 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 que je joue depuis des années. Et je me suis rendu compte que, bizarrement, il n'était pas sur la chaîne YouTube Armo Chopin. Bizarre. C'est un morceau qui s'appelle Angel Eyes, avec un côté plutôt dramatique. Et donc, j'ai décidé de jouer ce morceau avec une façon plutôt dramatique. Super, eh ben écoute, je te laisse écouter la démonstration sur la bête de course en si bémol. Et si ça t'intéresse, après le morceau, après la démonstration, je t'expliquerai comment toi aussi tu peux apprendre à le jouer. Thank you.
Ok, tu as kiffé le morceau? Bon, t'as aimé? Super. Bah écoute, si tu veux apprendre à le jouer, alors, petite recommandation, il n'est pas du tout pour les débutants, encore moins pour les grands débutants, car il est de niveau 3. En effet, ceux qui sont de niveau 0, ce sont ceux qui débutent. Bon, faut bien commencer par quelque chose. Et puis, dès que tu sais jouer correctement les notes naturelles, aspirer, souffler sur l'instrument, tu es de niveau 1. Et quand tu sais jouer les notes altérées, aspirées, tu es de niveau 2. Et quand tu sais jouer les overblow, tu es de niveau 3. Ça va, tu suis. Et donc ici, il y a beaucoup d'overblow. Il y a un overblow en 5, un overblow en 4, il y a des altérations inspirées. Enfin voilà, il y a du boulot. Mais c'est un morceau magnifique, n'est-ce pas? Donc comment faire pour apprendre à le jouer? Ben, tout simplement, tu cliques sur le i comme invitation ou sur le lien dans la description de la vidéo. Et tu seras redirigé sur le catalogue, donc catalogue en fait de tous les morceaux que tu peux apprendre à jouer avec la méthode dérive. C'est une méthode en 7 étapes qui te permet de partir de la partition, même si tu n'as jamais lu de partition de ta vie, je t'explique tout. On travaille les notes ensemble, on travaille les rythmes ensemble, on travaille le placement rythmique ensemble, je te montre quels effets tu peux jouer sur ton instrument. Et parce qu'en fait, jouer un morceau à l'harmonica, bah, c'est pas juste jouer des notes, c'est jouer avec les effets de l'harmonica. Et puis je t'explique aussi comment interpréter le morceau et comment improviser. Et l'objectif, c'est pas de faire exactement ce que je fais, c'est de comprendre ce que je fais pour t'en inspirer et toi-même construire ta propre interprétation et ta propre improvisation. Donc si ça t'intéresse, le i comme invitation ou le lien dans la description. Et nous, bien évidemment, comme d'habitude, on se retrouve samedi prochain. Samedi, oui, mais samedi midi.